Nous avons parlé de l'élection présidentielle. Puisque dans 4 mois seulement, nous devons y aller en principe à l'élection présidentielle. L'entretien entre le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et le chef de l'opposition congolaise, Pascal Tchatchima Biala, ce samedi 21 novembre 2020, s'inscrit dans le cadre des consultations permanentes sur des questions d'intérêt national. À l'approche de l'élection présidentielle de 2021, il est plus que nécessaire de créer les conditions d'un scrutin libre et apaisé. Pascal Tchatchima Biala est donc venu faire des propositions au président de la République. Nous avons fait le tour de la situation nationale. Nous avons abordé les questions de paix, les questions de cohésion nationale, les questions de liberté publique et nous avons abordé également les questions démocratiques, notamment les élections. Le tout, c'est pour arriver à l'apaisement dans le pays, parce que au-delà de ce que l'on voit, de ce qui s'écrit, le pays n'est pas encore tout à fait dans la sérénité. Et il faut créer toutes les conditions possibles pour que le peuple congolais se parle, pour que nous allions de l'avant et pour que les corrections soient apportées. Mais bien entendu, au-delà de ça, nous avons parlé de l'élection présidentielle. Puisque dans 4 mois seulement, nous devons y aller en principe à l'élection présidentielle. Mais il faut s'assurer que dans ces 4 mois, nous aurons réuni les conditions idoines pour que nous ayons une élection présidentielle apaisée, dont les résultats ne seront contestés par personne. Pour Pascal Tchatchima Biala, le dialogue de Matingu, qui s'ouvre dans quelques jours, doit être déterminant. Il s'agit d'un indicateur important pour une élection réussie. C'est à Matingu que seront définies ces conditions. Les conditions de transparence, les questions d'équité, les questions de l'indépendance de la commission qui est chargée d'organiser des élections. Toutes ces questions qui sont devenues des questions bateaux doivent être reprises, mises sur la table, discutées franchement pour qu'il n'y ait pas place au désordre et que les uns et les autres ne profitent pas pour traîner le pays dans ce que nous avons connu et de tristes mémoires. Mais nous avons parlé aussi de Matingu, effectivement. Matingu, c'est dans quelques jours. Matingu se prépare et il faut s'assurer que les conditions de préparation de Matingu également sont réunies.